J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie de notre tuto pour l'album Harry Potter avec tout le speech que vous avez eu hier, hein. Voilà. Donc je me suis déjà un petit peu avancée. Donc je vous donne les mesures. La carte, les couvertures mesurent 21 par 21. Il en faut deux. Et la tranche mesure 21 par 6 cm. Voilà, tout simplement. J'ai recouvert avec trois papiers noirs. Hein. Voilà. Ensuite, ici, j'avais une chute dans ma boîte à chute. Hein. Donc, j'ai rajouté un bout de chute ici. Donc là, il faut bien que je laisse sécher. Je remettrai de la colle là où il faut. Et voilà, notre structure est prête. Bon, je vais remettre de la colle tout de suite. Hein. Alors, j'ai utilisé ma Tacky Glue Gel et je trouve que je préfère vraiment la blanche. Voilà. Après, c'est affaire de goût, hein, mais ouais, je trouve qu'elle colle mieux. Peut-être que la gel, c'est peut-être mieux si on veut repositionner. Je trouve que ça bouge beaucoup. Voilà. Donc, je pense que je vais rester à ma blanche. Voilà, elle colle tout de suite du premier coup. La gel, il faut vraiment appuyer pour bien la faire prendre. Après, peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, hein. Mais en tout cas, je préfère celle-ci à celle-ci. Pourtant, c'est exactement la même marque, hein. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser ou mystère. Voilà. Donc là, je laisse bien sécher, bien à plat, comme d'habitude, hein, pour éviter que ça ne gonfle. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc on va passer tout de suite à la page de la couverture intérieure gauche, tout simplement. Donc pour ça, il nous faut un morceau de papier craft qui mesure 20,5 par 20,5 qu'on viendra coller ensuite sur notre couverture. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein. Donc là, on a besoin d'un morceau qui fait 20 par 20. Voilà, donc les mesures seront en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc, on va travailler sur ce papier-là. Parce qu'en fait, je voulais pas utiliser une grande feuille de papier déco. Voilà, tout simplement. Donc, comment je voulais vous dire? Tous les pop-up que vous voyez, que vous allez voir dans cet album ne sont pas de moi. Hein. Voilà, j'ai été piocher sur YouTube un peu partout des pop-up. En fait, ça revient beaucoup sur toutes les chaînes. Hein. Toujours les mêmes pop-up, après c'est pas les mêmes papiers. On les met pas forcément dans le même sens ou on n'utilise pas les mêmes pop-up. Hein, ça, voilà. Donc je vais piocher beaucoup sur les sites américains. Et là aussi beaucoup espagnol en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai besoin de m'évader, de vacances. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, notre base, elle fait 20 par 20. Ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 8 cm sur 23. Sur les 8 cm, on se fait un pli à 1,5 et sur les 23, on se fait un pli à 1,5 et à 21,5. Donc ensuite, je viens biseauter mes languettes de collage comme d'habitude, hein. Hop. Je viens marquer les plis. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, tout de suite, je vais venir coller sous ma languette ici. Donc là, je vais vous montrer, hein. Donc, ma languette ici, je la mets sous mon papier. Voilà. Et je viens faire pareil avec celle d'au-dessus. Donc, je fais bien attention de ne pas être dans la ligne de pli. Hein. Donc, ça nous fait deux pochettes. Ça sera pour y glisser le mécanisme de la cascade décalée, tout simplement. Hop. Hop. Donc là, j'ai collé ce côté-là. Ensuite, donc là, dans du papier déco. Donc là, ça vient de la collection 30-30. Hein. J'ai coupé un morceau qui fait 9 cm par 18,9. Et je vais venir le coller sur mon papier, juste ici. En fait, comme ça, après la cascade, on ne verra plus. J'utilise très peu de papier déco, en fait. Voilà. Sinon, il me fallait un grand morceau. Et c'est ridicule, vu que ça va être caché. Donc, tant qu'à faire, hein.
Donc voilà, donc là je viens le coller sur mon papier de base. Voilà, et ici, donc je viens faire pareil avec mon autre pochette, hein, tout simplement, qui est juste ici. Hop, je vais juste déjà coller ma languette ici et je viendrai coller le reste par la suite. Alors, j'ai pas encore choisi mes papiers déco, donc ça, je le ferai après. Je vous montrerai après, en fait, je vous redonnerai les mesures et tout. Mais là, j'ai pas encore réfléchi vraiment à quel papier déco j'allais mettre juste ici. Hop, je mets de côté. Je laisse ça de côté pour l'instant. Ensuite, donc, pour faire le mécanisme de notre cascade, il nous faut donc la tirette. Hein. Donc là, elle mesure 21 par 6,5. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9 cm. Tout simplement. Donc, je viens marquer tous mes plis. Hein. Voilà. Donc là, j'ai préparé les espaces photos qui vont dessus. Donc, il nous en faut 6. 6 espaces photos qui mesurent 10 par 15. Donc là, en fait, que je vous explique, la cascade va aller là. On va la coller juste ici. Hein. Tout simplement. Voilà. oui. Donc, vu qu'on va la faire un petit peu en décalé. Alors, là, je vais me faire une marque à 9 cm. Voilà. Donc, je pars de la gauche, je me fais une marque à 9 cm. Sur une autre carte, oh, c'est un peu coton parce que c'est tout en noir. Sur une autre carte, je me fais une marque à 9 cm, mais cette fois-ci du côté droit, vu qu'elle est en décalé. Comme ça, ça nous fait toujours 1 cm. Après, si vous voulez 2, vous faites 2, hein, mais 1 cm. Voilà. Tout simplement. Donc là, je reprends mon mécanisme. Donc, j'ai bien mes cartes, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Hein. Je reprends mon mécanisme. Donc là, ici, je me suis fait une marque. Comme d'habitude, vous savez qu'il faut toujours que je marque mes centres. Donc là, je me suis fait tout simplement une marque. Que je vous dise pas de bêtises. Bah, la moitié, 3,2. Hein. Pour là, par exemple, je prends ma feuille. Où ma marque, elle est à 9 cm ici. Donc, comme ça, je viens glisser au niveau de la marque que je me suis faite. Comme ça, je suis sûre d'être alignée tout le temps. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je fais, pas sur le premier pli, sur le second pli, ici. Ah ben voilà, en plus, pourquoi c'est mieux en blanc. Vous voyez, parce que sinon, ça aurait été en gel, vous auriez vu que dalle. Donc là, je viens bien m'aligner tout simplement à la marque au-dessus. Donc, je fais attention. Donc, je colle pas sur la ligne de pli, hein, parce que ça serait dommage que notre mécanisme ne fonctionne pas parce qu'on aurait collé sur la ligne de pli. Hein. Voilà, je viens bien faire prendre ma colle. Je m'aroufle en gros. Et voilà, donc là, notre première cascade est posée. Ensuite, sur ma deuxième, donc là, j'ai ma marque. Donc là, j'ai pris 9 cm de ce côté et je viens tout simplement glisser, comme tout à l'heure, ma carte. Alors, j'essaye de mettre le plus de photos possible. Donc ensuite, j'essaye de me mettre bien droite, hein. Comme je disais, j'essaye de mettre le plus de photos possible dans cet album. Bon, là, c'est pour l'ami de Léane, hein, pour son anniversaire. Et vu qu'on ne lui en a jamais fait, alors Léane, elle m'a dit, il faut vraiment optimiser les choses. Donc, j'ai essayé de trouver vraiment des pop-up où il y a pas mal d'espace photo. Voilà, tout simplement. J'essaye de respecter les doléances de Miss Léane. Donc là, je vais... Donc là, en fait, j'ai pas retracé de marque. Si vous voulez, vous le refaites. Mais moi, je vais me servir, en fait, de mes espaces photos qui sont déjà collés. Donc là, je viens mettre de la colle.
tout simplement comme ceci et je viens me mettre bien aligné bord à bord de l'autre côté comme ceci. Hop. Je mets là. Donc là, je m'aligne par rapport à la deuxième carte. Hein. Tout simplement. Hop, la dernière, enfin l'avant-dernière. Hop, donc là, alors on est là. Donc voilà, notre cascade est tout simplement terminée. Hein. Hop, ici, je vais couper un petit bout de papier déco. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mon coin avec la taille M. Voilà. Mon papier déco. Alors, je vais l'arrondir aussi à la taille M. Donc, mon papier déco mesure 8 sur 6,3. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mes papiers, je les ancre à la vintage photo. Hein. Hop. Voilà. Je viens le coller donc en bas de ma languette de collage. De collage, n'importe quoi. Ma languette où on tire pour avoir le pop-up qui s'active. Tout simplement. Voilà. Donc ensuite, ici, je viens coller ma dernière carte. En fait, je vais vraiment mettre de la colle sur toute ma languette de collage sur 10 cm. Et j'en veux avec ma languette de collage. Sur ma languette de tirette. Qu'il nous reste, voilà, et je viens m'aligner, donc là je prends l'avant-dernière, tout simplement. Voilà, notre mécanisme est prêt, tout simplement. Ensuite, il nous faut un petit morceau qui mesure 2,5 sur 15. Donc là, on va se centrer. En fait, à ce niveau, cette languette-là, si vous préférez, elle va rentrer dans le mécanisme. C'est ça qui fera bouger notre pop-up, tout simplement. Donc là, en fait, moi, bon, je vais comme d'habitude me refaire les mesures. Hein. Donc 3,2. Hop. Ici, ça mesure 15 cm, donc ça fait 7,5. Voilà. Donc je viens tout simplement comme ceci. En fait, je vous ai dit une bêtise pour la dernière carte. C'est pas grave, on verra pas. La dernière carte, en fait, il faut la centrer. Enfin, essayer de la centrer. Donc là, j'ai 4. Et là, j'ai 4,5. Donc, il faut que je redécale un petit peu par là. Maintenant, ici, j'ai... Hop! Voilà. Et donc maintenant, je reprends. Hop, je... Oh là là, quelle catastrophe. Donc là, ici, je prends mon mécanisme et je viens coller, donc bien juste derrière, en fait, notre dernière espace photo. Je viens juste mettre de la colle, donc, sur ma languette de collage qui est juste ici, hein. Bien partout. Je me centre. J'avais même pas besoin de marquer en fait. C'est juste que vu que j'avais pas bien collé, hop, donc je viens faire bien prendre mon papier. Donc j'en mets pas sur l'espace photo, hein, sinon en fait il coulissera pas. Hop, voilà. Donc là, ce que je fais, là, je viens mettre de la colle. Donc je reprends notre base qu'on a préparée juste avant. Hein. Je viens coller à l'intérieur. Enfin, en dessous, pas à l'intérieur. Voilà. Alors, donc, comme ça. Donc, notre languette, une fois qu'elle est sèche et qu'elle est collée nickel, on vient la passer dans notre
dans notre pochette. Voilà. Je viens mettre de la colle donc sur la languette de collage qui nous reste. Et ce que je fais, tout simplement, c'est que je viens me mettre comme ceci. Je viens coller tout simplement sur mon papier décor. Hop, je fais bien prendre. Et après, quand je tire, et j'en veux, hein, on tire pas, on pousse. Quand je pousse la languette. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, après on viendra le coller sur notre page de 20,5 sur 20,5. Donc, après on va se faire des rabats pour fermer notre pop-up. Donc, il nous faut deux morceaux qui mesurent, alors que je vous dise pas de bêtises. Ouais. Alors, les deux premiers morceaux mesurent 14,5 par 20,5. Sur les 20,5, j'ai fait un pli à 18,5 et à 18,8. En fait, on se fait un petit gousset d'aisance afin que ça puisse bien se fermer, en fait. Parce que le papier, bon, bah là, vu que moi, j'ai utilisé du 210 grammes en plus, il est bien costaud, bien épais. Plus le papier déco, plus les photos, plus... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc là, je viens marquer tout simplement mes plis. Hein. Je viens faire pareil ici. Donc, on en met une en haut, une en bas. Tout simplement. Hein. Donc, je viens coller derrière ma page de base qui fait 20 par 20. Tout simplement. Donc, je fais attention toujours à mon gousset d'aisance. Hein, parce que sinon, on est un peu dans le caca si on ne peut plus le fermer. Donc, je vérifie d'être bien droite. Hein. Je fais pareil en dessous. Voilà. Et donc, ensuite, il nous faut deux morceaux qui font 21 sur 12 cm. Et sur les 21, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc là, il est un tout petit peu plus large. Hop. Donc là, je viens biseauter ma languette de collage. Je viens marquer tous mes plis et tout simplement je viens, donc là je viens le mettre en fait un coup en haut et un coup en bas pour fermer notre page, tout simplement. Après vous mettez comme vous voulez, hein, dans le sens que vous voulez, soit on peut encore le mettre comme ça, hein. Enfin, vous mettez comme vous voulez. Voilà, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement coller bien bord à bord. Donc ça rajoute encore des espaces photo, hein. Pour une première page, je trouve que on est plutôt pas mal. Je viens faire pareil juste en dessous. Hop, hop. Donc voilà, donc après on ferme comme on veut, hein, ça y est, aucun souci. Alors, pour que ça tienne bien fermé, on va mettre des aimants. On va en mettre deux. Hop, donc je vais en mettre un par ici. Tout simplement un par ici. Et après, je vais en mettre un. Allez, on va en mettre un par là. En fait, il faut que ça tienne bien aimanté quand même. Donc, je vais le mettre là. Poussinette, elle verrait comme je coupe le scotch de masquage. Elle me dirait, maman, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Oh là là. Et je jette mon aimant. Et voilà, notre page est totalement fermée. Donc maintenant, hors caméra, je vais choisir mes papiers déco parce que je n'ai pas choisi encore. Je choisis mes papiers, je fais mes espaces photo et je reviens vous montrer ça juste après. A tout de suite. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc, sur le devant de notre pop-up, j'ai mis un morceau de papier craft qui mesure... il mesure 19,3 sur 11,8. Ensuite, j'ai mis du papier déco qui mesure... J'ai pas mesuré celui-là. Et ben, ce papier déco mesure tout simplement 19,1 sur 11,6. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'il faut des blocs 30-30. Ensuite, à l'intérieur, j'ai utilisé du papier craft pour faire mes emplacements photos. Donc là, les deux emplacements photos, ici et ici, ils font 11 par 16. Donc on peut mettre des photos 10 par 15. J'ai fait les encoches avec ma perforatrice que voici. Donc là, c'est des chutes de papier de mon papier 30-30. Hein. Voilà, j'ai rien, je garde tout. Voilà, toujours ancré avec la vintage photo. Ici, c'est des emplacements pour des photos 9 par 13. Donc, elles font 10 par 14. Voilà. Et ce morceau de papier décolla mesure 7,5 par 14. Voilà. Donc là, pareil. Hein. Donc là, j'ai coupé dans du papier 15-15. Hein. Et j'ai dans le papier 15-15, il y a une feuille. Ben voilà. J'ai sacrifié une feuille avec les cadres. Donc, j'ai coupé ici. Donc là, pareil, une photo pour mettre une photo 9 par 13. Et ici, pareil, une photo 9 par 13. Et ici aussi, le cadre, c'est Poudlard. Ici, par contre, je n'ai pas encore mis. Je ne sais pas si je vais mettre du papier craft ou si je vais faire des coins photo. Donc j'attends, en fait, d'avoir toutes mes chutes de papier, vu qu'on commence. Hein. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis. Ici j'ai mis du papier, le même papier qu'à l'intérieur en fait. C'est plus simple de le coller avant notre cascade. Hein. Voilà. Mais bon, après ça passe, hein. On soulève juste un petit peu et hop. Et donc on pousse la cascade. Il n'y a aucun souci. Donc là, il faut vraiment à la fin, je verrai. Et puis vous verrez dans la vidéo de présentation. Donc j'ai pas compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 photos. Alors là, pour une première fois, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hein. 16 photos, moi je dis, on est pas mal. Donc là, je reprends donc ma couverture d'album, hein, tout simplement. Ma feuille de papier craft qu'on a préparée en 20,5 par 20,5. Je viens la coller donc sur mon côté gauche de mon album, tout simplement. Voilà. Et je viens prendre donc... Ouh, je vous fais bouger, désolé. Mon pop-up. Et je viens le coller tout simplement centré sur notre morceau de 20,5 par 20,5. Donc, c'est vraiment très peu. Hein, mais bon. C'est juste... je voulais pas coller un grand papier déco. Hein. Donc, en fait, c'est ma solution. Après, on aurait pu laisser tout noir aussi. Hein. Tu vois, il n'y a aucun souci. Bon, c'est tout. Hop. Donc, je viens tout simplement le coller juste ici. Donc là, j'ai écrit, en fait, les tailles des photos. Parce que mon amie, vu que c'est pour sa fille, elle n'est pas scrapeuse. Donc, c'est plus simple plutôt qu'elle s'amuse à mesurer... les espaces photos. Donc là, je lui écris au crayon de papier. Comme ça, elle sait. Hop, hop. Et voilà. Donc voilà pour notre première page. 16 photos. Moi, je dis, on est pas mal. Donc rendez-vous demain pour la première page de notre album. Enfin, la deuxième pour le coup. Le deuxième pop-up. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain. Bisous.